Bonjour à chacun, bienvenue. Comment va l'Église M en ce début d'année 2023? Est-ce que vous allez bien? Ça va? Est-ce que vous avez remarqué un changement entre 2022 et 2023? Pas de changement, moi non plus, j'avoue. Et je vous avoue qu'en ce moment, je me sens un peu déconnecté. Je suis un peu ailleurs, je suis un peu en mode automatique. Et avant de préparer ce temps de louange, ben, dimanche dernier, il a fallu que je me reconnecte. Prendre le temps de réfléchir au chant. Et c'était pas facile, mine de rien. Ça faisait un moment. Et il y a un mot qui m'est venu en tête. C'est Alléluia. Et là, je me suis dit, ben, y a pas plus facile pour préparer un temps de louange que le terme Alléluia. Donc je vais prier et puis après, on va pouvoir louer notre Dieu. Seigneur, on te remercie. Merci parce que on peut se retrouver ici tous ensemble. Merci parce qu'on a cette chance, voilà, d'être libre, de venir te louer. On te remet tout, Seigneur. On te remet nos fardeaux avant de venir vers toi pour te mettre au centre, Seigneur. Et encore merci pour toutes choses. En ton nom, amen. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia. Qui brise le pouvoir du mal, de la mort,
qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui amène immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort.
mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Amen. On peut continuer par le chant qui dit « Je bâtirai ma vie »,
qui est pour moi une façon aussi d'adorer Dieu en se donnant pleinement à lui. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Okay.
ta beauté déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oui, Seigneur, nous venons devant toi, toi qui es saint, toi qui es glorieux, pour te demander de déverser dans nos cœurs ton amour. Seigneur, c'est une prière qui est extraordinaire et en même temps, elle paraît complètement folle. Comment demander à un Dieu comme toi une telle chose? Et pourtant, Seigneur, tu sais que nous en avons besoin et nous savons que c'est ton désir, alors on ose te le demander. Viens, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta présence, ouvre nos cœurs à ton amour. Que nous tous, Seigneur, qu'on soit là ou qu'on soit derrière notre écran, qu'on ait les cœurs attentifs à ce que toi tu veux nous dire. Amen. Amen. Et il y a des mots comme ça qui nous mettent en mouvement, hein, comme Alléluia. Alléluia est un mot qui nous met en mouvement pour venir vers Dieu. Et il y a tellement de mots comme ça qui nous encouragent. Nous le savons, il y a eu certains discours dans l'histoire de notre monde qui ont eu un tel impact sur leurs auditeurs qu'ils ont changé le cours de l'histoire. Tenez, le discours de Martin Luther King en 63, il a permis de rêver un monde plus juste, un monde sans discrimination raciale. Il y a tellement de discours, tellement de paroles qui sont dites dans le privé, dans un cœur à cœur entre une mère et sa fille, où il y a un encouragement qui est posé, une valeur qui est donnée à cet enfant qui en a besoin. Et puis, nous le savons, hein, les sportifs le savent encore mieux que moi, il y a des mots qui peuvent changer le cours d'un match, ou pas. Vous voyez? Alors, hier, nous avons assisté à quelque chose de semblable. Nous étions à un match de handball avec ma fille, notre fille qui fait du hand. Et puis, on était là, on les encourageait. 2 minutes avant la fin du match, l'équipe de notre fille perdait de 2 points. Donc, 2 points. Alors, on était là, on les encourageait. Puis, on a senti, il y a eu un petit temps d'arrêt. On a senti cette équipe comme ça. Et puis, les filles se disaient entre elles, bon, allez, c'est fichu, il n'y a plus que 2 points et on a 2 points de retard. Et puis, il y a une des filles qui a dit aux autres, eh oh, on lâche rien, hein. Vous voyez ce cri-là, on lâche rien, on y va. Alors, elles sont allées sur le terrain. Et puis, la minute qui a suivi, ça y est, il y en a une qui a marqué un but. Il n'y avait plus qu'un point d'écart. Mais il ne restait plus qu'une minute. Et puis, c'était les autres qui avaient la balle. Et puis, ils continuent, on ne lâche rien. Et puis, voilà que 30 secondes avant la fin, elles les égalisent. Alors là, c'était l'euphorie. Les parents étaient debout. Ouais, ouais, c'est ma petite, c'est ma... Vous voyez, comme ça. 30 secondes avant la fin. Mais l'exploit... c'est que 10 secondes avant la fin, elles ont encore marqué un but et elles ont gagné. Elles ont gagné la victoire. Pourquoi? Parce que 2 minutes avant la fin, il y a quelqu'un qui a dit « on lâche rien, on lâche rien ». Il y a des mots comme ça qui nous mettent en mouvement. Il y a des discours, des paroles dans notre vie, nous avons besoin de les recevoir parce que ces paroles vont nous mettre en mouvement. Elles vont nous mettre en marche. Nous vous proposons pendant 4 semaines d'écouter un discours qui a été prononcé il y a 2000 ans, qui va nous montrer comment nous allons nous mettre en marche pour une vie accomplie, une vie dans sa plénitude, une vie où nous allons pouvoir réaliser pleinement ce pourquoi nous vivons. Ça vous va? J'ai rien que ça. C'est un discours qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Alors, nous sommes en présence de Jésus. Jésus qui commence tout juste son ministère public. Alors, tel un rabbi, tel un maître de pensée de l'époque, il choisit ses disciples. Un Pierre par-ci, Jean par-là, Jacques. Voilà, il les choisit. Et puis, des gens qui acceptent de le suivre. Ils disent oui, mais on ne sait pas trop. Ils ne savent pas trop encore... À quoi s'attendre?
Et on voit Jésus monter sur une montagne, et puis les disciples le suivent. Il s'assoit, et puis voilà que ses disciples se mettent là, tout autour de lui, au premier rang. Jésus voit une foule immense qui vient, et il parle. Il parle plus précisément à ses disciples, à ceux qui sont là devant lui, à ceux qui ont osé dire « Oui, on te suit. Oui, on te suit. » Et alors, assis là, tous ensemble, Jésus prononce le mot magique. Un mot qui ne pouvait que venir confirmer qu'ils ont bien fait de suivre ce gars-là, que franchement, ils ont bien fait de dire « oui » à Jésus. Un mot qui allait changer leur existence. Ils écoutent bien et voilà que Jésus dit « heureux ». Heureux. Et encore une fois, heureux, 9 fois de suite. 9 fois de suite, il dit « heureux ». Il y a de quoi donner envie d'écouter, non ? On a envie d'écouter la suite. Voilà son premier discours, la première fois qu'il va enfin dévoiler son programme, le programme qu'il propose à ses disciples. Et il se dit « ça y est, il va nous donner le secret pour être heureux ». Heureux. On a tellement envie de l'entendre, non ? Heureux. Mais le bonheur, est-ce que ce n'est pas la quête de toute une vie ? Est-ce que ce n'est pas ce à quoi nous aspirons au plus profond de nous, qu'on puisse dire de nous-mêmes heureux, heureux ? Mais en tendant bien l'oreille, Jésus il ajoute « heureux celui qui ». Bon, allez, on va faire un petit jeu. Imaginons que nous sommes dans une salle de classe, on est en cours de philo, et puis il y a le prof qui met sur le tableau « heureux celui qui ». On est dans une salle de classe. Et puis il vous dit « veuillez compléter cette phrase ». On répondrait quoi ? « Heureux celui qui… » Je vous écoute ? Mais il y en a qui sont formatés, hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Il y en a qui sont formatés, là. Ça, c'est comme avec les enfants, vous savez, à l'école de dimanche, des fois, quoi que ce soit la question, toujours il y a quelqu'un qui lève le doigt, qui dit « Jésus, 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 Jésus ». On sait que ça, c'est la bonne réponse, au moins. Mais bien sûr, heureux celui qui croit en Dieu. Et avant ça, je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Heureux celui qui… part en vacances. Voilà quelqu'un qui est terre à terre. Part en vacances. C'est heureux celui qui gagne au loto. J'ai cherché la publicité, tu sais, le gars là qui est super content et qui en met plein la figure aux autres. Heureux celui qui gagne au loto. Heureux celui qui n'a plus de problèmes financiers, qui peut acheter ce qu'il veut, comme il veut. Il n'a même pas besoin de consulter son compte tous les jours. Heureux celui qui… Heureux celui qui croit encore. Et heureux celui qui a une maison. Heureux celui qui a un toit sur la tête. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas. Heureux celui qui a un toit sur la tête. Heureux celui qui… Oui. Heureux celui qui a… Qui est heureux celui qui a fini son cours de philo. Il y en a qui ont aimé la philo, hein. On le voit. Heureux celui qui ne va plus à l'école, qui a fini tous les cours. Vous voyez, il y a tellement de choses. Heureux celui qui n'est pas malade. C'est les vœux qu'on se fait en début d'année. Hein. Heureux celui qui a un bon travail, qui a de la reconnaissance, qui a la notoriété de ses pairs. Heureux celui qui a trouvé le grand amour. Il y en a qui l'ont trouvé en 2023, là déjà. Heureux celui qui a trouvé le grand amour. Heureux celui qui a une famille aimante. Heureux celui qui a de bons amis. Heureux celui qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Heureux. Heureux. Et puis, quand vous tapez sur Google le secret du bonheur ou le bonheur, vous allez avoir une multitude de livres qui en parlent.
le secret du bonheur, faire le choix du bonheur, et voilà comment être heureux. Alors, je ne vous explique pas tous les cours de coaching, de thérapie. Alors, il y avait des trucs du style, 10 étapes pour être heureux, cette façon de trouver le bonheur, les 4 clés du bonheur. Et voilà, on a tous. Et puis, il y avait des conseils du style, pour être heureux, évidemment, vivons cachés. Pour être heureux, protégeons-nous de tout ce qui nous nuit. Pour être heureux, trouvons quelques bons amis et évitons les problèmes. Restons concentrés sur soi et nous contenter de peu. Vous voyez, un peu comme Fernand Reynaud qui disait « Je suis heureux ». Pourquoi il était heureux, Fernand Reynaud ? Ouh là là, c'est trop vieux ça. Hein ? Parce qu'il était cantonnier, il ne payait pas l'impôt comme son cousin de Paris. Heureux. Heureux comme Ulysse, qui a fait un long voyage, a vu... sans paysage, et puis il a retrouvé sa maison. Et puis on a même tiens, tu connais ça certainement, Balou qui donne le secret à Mowgli pour être heureux. Et il lui dit, il en faut vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, on n'a même pas besoin de travailler pour l'avoir, et quelques rayons de miel et de soleil. Heureux. Je suis sûre que les disciples, quand ils ont entendu Jésus dire « heureux », et peut-être que nous, quand nous cherchons le bonheur et que voulons entendre un « heureux » dans la bouche de Jésus, on a envie de ce genre de choses. Heureux, heureux. Jésus commence son grand discours avec « heureux celui ». Mais le problème, c'est que les disciples n'ont pas entendu exactement les mêmes paroles que dans la bouche de Balou. Ils n'ont pas entendu « heureux celui qui se contente de peu ». Ils ont eu un discours radical. Au lieu de « heureux les riches, heureux ceux qui sont considérés, heureux ceux qui sont arrivés », voilà que Jésus dit « heureux celui qui est pauvre ». Au lieu de « heureux ceux qui se la coulent douce »,« heureux ceux qui se contentent juste du miel et du soleil où il ne faut pas travailler pour l'avoir », ils entendent Jésus qui parle de personnes qui luttent, qui cherchent la justice, des personnes qui travaillent pour devenir des artisans de paix, des personnes qui s'engagent. Au lieu d'entendre « heureux » ceux qui ont la reconnaissance et le succès, ils les entendent dire « heureux ». Heureux celui qui est bon, heureux celui qui est doux, heureux celui qui a compassion des autres. Et puis, peut-être le pire, en tout cas pour moi, le pire, c'est au lieu d'entendre et d'écouter ce « heureux » celui qui n'a pas de problème, ils écoutent et ils entendent « heureux ». Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés, insultés ou peut-être calomnier. Je ne sais pas si vous avez envie d'écouter la suite. Je ne sais pas si vous n'avez pas envie de vous lever et de partir en vous disant « Oh là là, on est tombé mauvais dimanche là. Hein. » Là, on est tombé sur le mauvais dimanche. Ce n'est pas la peine de rester. Et peut-être que les disciples n'avaient peut-être plus envie de rester. En tout cas, Jésus était là et il leur donnait un discours très simple, mais tellement radical, comme une feuille de route. Un discours feuille de route pour tous ceux qui ont dit oui, pour tous ceux qui ont accepté de le suivre, tous ceux qui veulent le suivre. Un discours de base qui met les conditions, la feuille de route, ce pourquoi nous sommes là sur terre. Un discours qui parle de toi, de moi, de tous ceux qui vont être le signe dans ce monde, dans tous les temps, du royaume de Dieu que Jésus est venu inaugurer. On l'écoute ? Heureux. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous vous êtes reconnus ? Peut-être dans une de ces 9 phrases, est-ce que vous êtes reconnu? Jésus il regarde la foule et puis il en reconnaît. Il reconnaît un pauvre par-ci, un doux par-là. Il voit quelqu'un qui pleure. Il voit ceux qui vont être persécutés. Et Jésus, devant ses disciples, et là devant nous, il dépeint un portrait. Celui de son disciple, celui de... qui va le suivre, celui qui accepte le Christ. Et puis, il va décrire ce chemin que nous avons à emprunter. Voilà ceux qui vont le suivre, le chemin que nous aurons à prendre. Et puis, il pose sur ces chemins quelques balises par-ci, par-là, ce qui va donner un sens à notre vie. Jésus est en train de dire, hé, les amis, voilà ce qui va donner un sens à ta vie. Voilà le programme de ta vie. Tu veux que ta vie ait du sens ? Voilà, je te montre le chemin à suivre. Alors il commence et il décrit. Et il décrit cette personne qui veut avoir du sens à sa vie, d'abord en décrivant son cœur. Il décrit aussi l'attitude que nous avons à adopter. Et il décrit les valeurs pour lesquelles nous avons à vivre et peut-être même les difficultés que nous aurons à traverser. Ah, on connaît hein, cette fameuse phrase qui dit « Si tu sais pourquoi tu es prêt à mourir, tu sauras pourquoi tu vis, pourquoi tu es prêt à vivre. » Eh bien, c'est exactement ça. Jésus, il dépeint le cœur, l'attitude, les valeurs de ceux qui veulent avoir le véritable sens de leur vie. Alors, décrit d'abord un cœur. Il parle des gens qui sont humbles de cœur. Dans d'autres traductions, nous voyons « pauvres en esprit » et « les cœurs purs ». Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui sont pauvres en esprit ? Est-ce que ça veut dire que ce sont des personnes qui ont des moyens intellectuels limités ? C'est pour ça qu'on le traduit plus facilement « humble de cœur ». Non, ce sont juste des personnes qui sont en manque, qui se savent en manque. En manque de qui ? En manque de l'amour parfait, comme on vient de le chanter. En manque de celui qui nous a créés, qui nous a mis dans ce monde. En manque de celui qui peut vraiment donner ce sens que nous avons besoin de trouver pour notre vie. En manque de Dieu. Heureux ceux qui sont en manque de Dieu. Heureux ceux qui reconnaissent ce manque-là parce qu'ils ne sont pas remplis d'eux-mêmes. Ils ne sont pas pleins d'eux-mêmes. Et il y a une place. Ce manque, c'est cette place que nous créons pour Dieu, pour que Dieu vienne à notre rencontre, pour qu'il vienne en nous. Si aujourd'hui, tu te sens en manque de vérité, en manque d'amour, en manque d'idéal dans ta vie, alors Jésus dit, heureux es-tu, heureux celui qui se connaît, pauvre en esprit, qui a le cœur humble. Heureux, le cœur pur. Oh, c'est pas... Là, on va se dire, bon, ben là, ça va être compliqué de se reconnaître parce que qui va oser dire, moi, j'ai le cœur pur. Hein. Moi, c'est bon, j'ai pas de motivation cachée, j'ai un cœur transparent, je suis tout au droit, tout va bien, je suis un cœur pur. On voit tellement de textes dans la Bible où on voit que ce cœur pur, c'est Dieu qui le crée. David, le grand roi David, le savait. Et souvent dans les psaumes, nous lisons sa prière qu'il fait, qui dit « Seigneur, crée en moi un cœur pur. Viens et purifie mon cœur. » Alors heureux es-tu quand tu viens devant Dieu, tu lui dis « Seigneur, purifie mon cœur. Donne-moi ce cœur pur. Seigneur, je veux avoir ce cœur pur. Viens. »
Je ne suis pas pure de moi-même. Tu le sais, à qui je vais le cacher? Peut-être à mon mari, à mes enfants, à mon entourage, même à mon église, je peux le cacher. Mais toi, tu le sais, tu connais mon cœur. Alors viens et donne-moi ce cœur pur. Voilà le cœur de celui qui suit le Christ, humble, désirant, ardemment avoir un cœur pur. Et puis, Jésus va plus loin. Il va décrire maintenant l'attitude que nous devons avoir les uns avec les autres et l'attitude que nous devons avoir avec tous ceux qui nous entourent. Jésus ose parler de douceur, de bonté. Le petit monde de bisounours, vous voyez, heureux celui qui est doux, celui qui est bon, celui qui est gentil, celui qui compatit, celui qui est gentil avec tout le monde. On pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Seigneur, tu sais pas qu'on n'est pas chez les bisounours, là? Seigneur, tu sais pas que le monde, il est violent, qu'on a intérêt à se défendre pour ne pas se faire avoir? Tu vois pas que la bonté, la douceur ne sont pas des méthodes qui peuvent produire beaucoup de fruits dans ce monde? Comment voulez-vous survivre dans un monde si violent avec de la douceur et de la bonté? Jésus vient rectifier le tir et il dit, mais là où les violents veulent conquérir la terre, s'emparer des territoires, gagner du terrain, politiquement, professionnellement, dans nos vies et même dans nos familles, eh bien Jésus, il promet aux doux qu'ils posséderont la terre. C'est paradoxal, hein ? Qui pourrait dire aujourd'hui que c'est avec la douceur que nous allons posséder la terre ? On croit que c'est par la violence que nous allons pouvoir conquérir. Est-ce que vous connaissez un grand politicien qui est arrivé à conquérir quelque chose avec la douceur? On est dans la conquête, souvent avec la violence. Eh bien, parce que Jésus nous propose non pas quelque chose à conquérir, mais un héritage à recevoir de lui-même. Et puis, là où dans notre monde, on prône le repli sur soi, la méfiance, pour être heureux, reste chez toi, t'occupe pas des affaires des autres, ne prends pas le souci de tout le monde sur toi. Ça, c'est un conseil qu'on m'a toujours donné. Ne prends pas le souci de tout le monde sur toi, c'est bon, reste tranquille. Au lieu de se replier sur soi, d'être méfiant les uns envers les autres, Jésus propose d'accepter d'avoir de la bonté pour les autres, de vouloir le bien de l'autre, d'avoir de la compassion, de voir la souffrance de l'autre, de voir la souffrance de celui qui est à côté de moi et de lui accorder ma main tendue. Ah, peut-être que toutes les personnes ne vous ont pas manifesté en retour, mais Jésus promet qu'on en aura en retour de la bonté. Saint Thomas d'Aquin a écrit, « Si nous sommes créés pour être heureux, nous sommes créés pour être heureux avec les autres. » Avec les autres. Alors voilà deux béatitudes qui nous mettent en marche, qui nous mettent en mouvement pour aller vers l'autre. Parce que finalement, aimer l'autre, c'est d'une façon concrète, œuvrer pour son bonheur. Ce n'est pas un amour mielleux, je t'aime, voilà, c'est bon, je t'aime. Non, je mets en œuvre, j'œuvre, je m'avance vers toi avec bonté, avec douceur, pour ton bonheur. Et vous savez, dans ce texte-là, la bonté, la douceur, ce ne sont pas juste une question de caractère. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui, naturellement, il est bon ou naturellement, il est doux. On en connaît hein, autour de nous. Et puis, on peut se donner la bonne excuse en disant « Oui, mais moi, naturellement, je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. » Ça me fait penser à quelqu'un qui disait régulièrement « Qu'est-ce que tu veux? Je suis colérique. » Ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Aimez-moi comme je suis. Vous voyez? C'est facile, hein? C'est facile. Mais bon, des fois, j'ai ce genre de pensée aussi. Hein. Parce que c'est des attitudes à rechercher, des attitudes à développer, la douceur, la bonté. Jésus décrit le cœur, décrit notre attitude et décrit un projet des valeurs pour lesquelles nous avons à bosser, à travailler, non pas rester tranquillement à la maison pour que ça se passe autour de nous, non pas faire des discours en disant « Oh là là, ce serait bien que » ou « Ce serait bien que » mais Jésus décrit des personnes et il leur dit « Heureux les affamés, les assoiffés de justice, les artisans de paix, ceux qui se mettent en route, se mettent en marche pour la justice. »
ceux qui, de leurs mains, veulent construire la paix. Voilà un écho qui est fait à tous les cris et tellement de cris des prophètes de l'Ancien Testament où Dieu, le Dieu de justice et le Dieu de paix, ne peut pas se résigner à voir l'injustice qui règne et qui appelle son peuple, qui dit « mais œuvrez pour la paix, cherchez la justice, arrêtez, détestez le mal, détestez le parti pris, les pots de vin, les comparaisons et les injustices dans le monde autour de vous, cherchez la droiture, soyez droits ». Chercher la justice. La justice et la paix vont de pair. Hein. Et Jésus décrira dans son discours que nous allons voir dans les semaines qui vont venir, comment cette justice et comment chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Mais c'est ce que Jésus a fait. Regardons un peu à sa vie, vite, rapidement. Jésus, il a œuvré contre l'exploitation et le mépris à l'égard des femmes. Oh, mais là, je parle qu'entre nous, hein. J'allais dire, mes chères copines, mes chères sœurs, s'il y en a un qui a défendu la cause des femmes, c'est bien Jésus. Dans un monde où les bien-pensants auraient bien voulu se débarrasser de leur femme en écrivant une jolie lettre de répudiation, en lui mettant toutes les raisons pour lesquelles ils avaient raison de la mettre dehors. Dans un monde où toujours les bien-pensants, les justes, ils étaient là, ils étaient prêts à lapider une femme parce qu'elle avait fait une faute. Jésus, il les regarde en face, lui qui a faim et soif de justice. Et il leur dira, mais vous savez, si vous regardez mal une femme, si vous la regardez juste en la convoitant, en faisant juste un objet de désir, eh bien vous êtes adultère. Vous vous rendez compte comment il a défendu la cause des femmes ? Jésus, là où on a méprisé les pauvres, là où on a plus valorisé les riches, vous savez, il était là dans un temple bien élevé qui faisait des grands chèques, il faisait des virements et des machins bidules. Et ils étaient tout contents parce que c'était grâce à eux que toutes ces choses avaient lieu. Il a vu une petite femme de veuve, toute petite, qui a mis deux petites pièces d'argent. Et elle a mis deux petites pièces, mais elle a mis de son nécessaire. Jésus, là où on méprisait les pauvres, il a dit, vous voyez elle ? Eh bien, elle en a mis bien plus que vous. Il a valorisé, il a honoré, il a élevé. Dans un monde où on a méprisé les enfants, on les a éloignés, on a jugé les pécheurs, ceux qui ne marchaient pas droit, ceux qui n'étaient pas nickel dans leur moralité. Dans un monde où on a mis en écart, en quarantaine même, les malades, de peur qu'ils nous contaminent, Jésus les a accueillis. Il leur a donné le même amour. Il leur a donné la même intention, la même valeur. Voilà comment Jésus a œuvré pour la justice. Voilà comment il nous montre comment nous pouvons avoir faim et soif de justice. Oui, mais voilà, pour toutes ces actions qu'il a menées, pour tout son enseignement, il a subi même toutes les injustices de ce monde. Il a été insulté, on a dit du mal de lui, on a même dit qu'il était possédé d'un démon. Vous n'avez qu'à voir Dieu. Dieu Tout-Puissant, il a été rejeté, il a même été crucifié. Alors il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle quand il dit « Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi. Heureux, je ne sais pas si vous êtes dans une situation où vous pleurez. Vous pleurez parce qu'à l'intérieur de vous, parce que vous vivez une situation qui est injuste, une situation qui vous tombe dessus, une situation qui vous fait mal. Écoutons ce que dit Jésus. Je ne sais pas si on s'est moqué de vous parce que vous avez osé parler de Jésus ou osé montrer votre faim et soif de justice. Vous avez osé vouloir être un artisan de paix. Peut-être qu'on vous a méprisé, peut-être qu'on vous a insulté. Jésus le voit. Jésus le voit et dans cette foule, il a vu, il a bien vu ceux qui pleuraient. Et en regardant ses disciples qui étaient là comme ça, il savait qu'ils allaient être persécutés. Vous savez, quand Jésus dit « heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés », il faut que nous soyons vigilants. Il ne décrit pas là des situations que nous avons à chercher. Ce ne sont pas des situations à chercher, mais des situations quand elles arrivent à ne pas éviter. Comment on peut éviter ?
comment on peut éviter ce genre de situation? Eh bien, en baissant les bras, face dans ce chemin qu'il nous décrit, en reniant notre foi au lieu de prendre le risque de la vivre, en bafouant nos valeurs au lieu de les rechercher pleinement, juste pour ne pas souffrir. Voyez ? Alors Jésus est en train de dire, eh bien, je te le dis, même si tu pleures aujourd'hui, même si tu es persécuté aujourd'hui, même si tu reçois de l'opposition aujourd'hui, heureux. Heureux es-tu parce que Dieu est celui qui console. C'est Dieu qui console. Heureux es-tu parce que Dieu va te donner les résultats de ce pourquoi tu te bats. Il va te donner une récompense. Il va te préparer la conséquence. Heureux parce qu'en tant que disciples envoyés par Jésus dans ce monde, nous serons dans la même lignée des porte-paroles du Dieu Tout-Puissant, des prophètes, des héros de la foi qui n'ont pas hésité à annoncer l'amour de Dieu, le projet de Dieu pour l'humain, par peur des représailles. Ils l'ont fait et ils n'ont pas cherché à l'éviter. Et vous savez, c'est ce Pierre qui était là et qui écoutait ce que Jésus a dit. Quelques années plus tard, je réfléchis. Oh, 3 années, c'est ça ? 3 années plus tard, quand Jésus va monter au ciel et qu'ils seront là, première chose qui arrive, eh bien, on commence à les attraper, à les mettre en prison et à leur dire « Vous n'avez pas le droit de parler de Jésus. Vous, on ne veut plus vous entendre parler de Jésus. Vous créez le trouble dans la ville. » Alors on les a mis en prison. Et puis on ne voulait pas les lâcher comme ça. Et puis en même temps, ils ne pouvaient pas les garder longtemps en prison. Alors ils se sont dit, pour leur montrer vraiment qu'il faut qu'ils arrêtent, ils ont dit « Bon, allez, donnez-leur quelques coups de fouet. Et puis comme ça, ça va les calmer un peu. » Et puis, ils leur ont dit, faites attention hein, qu'on ne vous reprenne plus à parler de Jésus. Et regardez ce qu'on lit. Dans Actes 5, verset 41, les apôtres quittèrent le conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Ils avaient compris. Mais vous savez, le bonheur, être heureux, n'est pas tant dans ce que nous allons faire, dans la douceur, la bonté, la recherche de justice, d'amour, de paix que nous allons faire, mais dans ce que lui va nous donner, dans ce que Dieu va nous donner. Parce qu'il ne vous a pas échappé que tous ces heureux se terminent toujours de la même façon. Car vous avez besoin d'une identité, de savoir qui vous êtes. Heureux. Car ils seront appelés enfants de Dieu. Voilà l'identité que Dieu nous donne. Heureux es-tu, car tu es appelé enfant de Dieu. Nous avons besoin de possession, alors voilà l'héritage que Dieu nous donne. Heureux, car vous recevrez le royaume des cieux. Le royaume des cieux est à eux, et déjà sur cette terre. Heureux. Car nous recevrons la terre en héritage. C'est-à-dire que nous serons véritablement les citoyens de cette terre. Nous serons véritablement, dans cette humanité, les citoyens de ce monde. Nous serons véritablement et radicalement présents. Présents dans ce monde. Heureux. Heureux parce que Dieu prépare les conséquences. Les conséquences sont là. Tu seras consolé. Sois certain, tu seras consolé, tu seras comblé. Tu seras comblé en donnant de l'amour, en donnant de la bonté, en manifestant de la douceur, tu seras comblé. Pas de la part des personnes à qui tu manifestes tout cela, mais par le Seigneur. Le Seigneur, il manifestera sa bonté envers toi. Et tu goûteras à la douceur de Dieu. Heureux, car on sera plein de bonté pour eux. Voilà, heureux parce que nous recevrons tout cela, consolés, comblés, et nous aurons plein de bonté. Et enfin, je trouve que, en tout cas pour moi, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire et de plus difficilement saisissable. Il est dit heureux, heureux. Quelque chose que personne n'aurait pu imaginer ou même rêver. Heureux, car ils verront Dieu. Heureux es-tu
Heureux es-tu, car tu verras Dieu. Tu verras Dieu ici-bas, dans ton quotidien. Heureux es-tu. Alors mettez-nous en marche. Heureux, le mot heureux qu'on a entendu, en hébreu, il y a un jeu de mots parce qu'on peut le traduire aussi par en marche. Mettez-nous en marche pour suivre le Christ. Parce que finalement, ce qu'il nous a décrit, c'est bien lui, non ? C'est bien lui qui est ce doux, ce compatissant. C'est bien lui qui a le cœur pur. C'est bien lui. Finalement, ce chemin qui est décrit, c'est bien lui qui a dit « Je suis le chemin ». En le suivant, en marchant juste derrière lui, nous prendrons conscience alors du sens de la vie et nous serons véritablement heureux, pleinement épanouis. Et à notre tour, nous changerons ce monde en donnant goût à cette vie, en y apportant la lumière. Nous sommes, et nous nous rendrons compte petit à petit dans notre marche avec le Christ, que nous sommes ce qu'il a dit que nous sommes, sel et lumière de cette terre. Alors, comme il nous l'a promis, juste à la fin, après ce que nous venons de lire, ce qu'il a promis à ses disciples et ce qu'il nous promet, c'est que ainsi, que notre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun, tous ceux qui nous entourent, voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Voilà le programme que Jésus propose à ses disciples. Il est simplement radical. Et il nous invite à vivre cette radicalité, d'être présent dans ce monde, de ne pas fuir, d'être là. Qu'en pensez-vous ? Des communautés de veilleurs ont fait de ce texte leur mot d'ordre. Et tous les matins, ils les lisent et les relisent. Peut-être un moyen d'accueillir cette parole et de ne pas l'oublier. Peut-être un moyen de l'intérioriser toujours plus. Et Jésus qui retourne et regarde ses disciples et ses disciples qui ont entendu ce « Suis-moi ». Vont-ils le suivre sur ce chemin qu'il leur présente ? Et toi, tu acceptes ce chemin ? Alors, heureux es-tu. Heureux est celui qui accepte de suivre le Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, je crois que tes paroles sont justes et sont vraies, même si elles me dépassent parfois, même si j'aurais pas dit la même chose, mais je crois, Seigneur, je te fais confiance. Je veux faire confiance à ta parole. Seigneur, oui, je veux emprunter ce chemin, je veux me mettre en marche derrière toi, suivre tes pas. Et Seigneur, j'ai tellement besoin de ton aide. Nous avons tellement besoin de ton aide, Seigneur. Viens à notre secours, ne lâche pas notre main. Ne lâche pas notre main, Seigneur, et rappelle-nous par les différentes balises que tu vas mettre où se trouve le chemin, parce que nous voulons être heureux avec toi. Amen. Je vous invite à prendre maintenant la scène, ce pain qui représente le corps de Christ qui a été brisé, crucifié pour nous. Ce jus de raisin qui représente son vin, son sang qui a coulé pour chacun de nous. Et si avec moi tu veux dire au Seigneur, oui je crois en toi. Oui, je veux te suivre, mais s'il te plaît, aide-moi. Alors prends ce qui t'est tendu. Prends-le avec cette prière d'engagement que tu veux faire. Et si tu n'es pas prêt à le faire et si tu n'as pas envie de le faire, tu es libre. Tu es libre, le Seigneur nous veut libre, libre avec lui. Tu es libre de ne pas le prendre. Aujourd'hui,
aujourd'hui, il nous montre le chemin et il nous dit, allez, en marche.
me réveiller, viens nous réveiller. Seigneur, aide-nous à vivre toutes ces paroles qu'on a commencé à entendre ce matin, qu'on va entendre pendant toutes ces semaines, pour pouvoir vivre simplement et humblement la radicalité à laquelle tu nous appelles, les uns envers les autres, envers toi et envers ce monde. Amen. Vous pouvez prendre place une minute, quelques annonces à la fin de notre culte. Première chose à noter dans vos agendas, de manière importante, c'est nos prochaines assemblées générales. Elles auront lieu le vendredi 27 janvier à 20h, ici à l'église M. Assemblée générale de l'église, assemblée générale de prémices, mais tout ça, c'est la même chose. C'est l'église. Et nous voulons être présents. Si vous êtes membre, vous avez déjà reçu les convocations et tous les documents à lire. Vous avez déjà peut-être participé à la C3 il y a quelques temps. Voilà, on vous attend tous ici le vendredi 27 à 20h. Si vous n'êtes pas membre, vous pouvez aussi venir assister au débat. C'est public. Aucun souci. Prenons le temps et ce sera un moment important aussi pour pouvoir nous projeter dans la suite de notre projet ici pour rayonner, faire rayonner l'évangile de Jésus-Christ à Valence. Notez bien ça, Assemblée Générale, vendredi 27 janvier à 20h. Ça nous permettra de nous projeter déjà vers l'avenue Victor Hugo là-bas. Et j'aimerais remercier particulièrement ce matin aussi tous ceux qui depuis, je faisais le compte dans ma tête hier, près de 2 ans, travail d'arrache-pied sur notre bâtiment d'accueil, là. Et je sais pas, moi, j'ai envie qu'on les applaudisse. Parce que peut-être qu'ils nous regardent aussi, ils sont pas là, et ils peuvent entendre combien nous sommes reconnaissants pour tout le travail accompli au quotidien, que ce soit tout ça. Et on arrive bientôt à la fin de ces travaux. Il est temps de mettre la touche finale. Donc, si vous avez envie d'aider, nous vous proposons que vous ayez 16 ou 90 ans, si vous êtes un peu entre les deux, c'est possible aussi, eh ben, de venir aider. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de l'église, église-m.fr. Vous pouvez vous inscrire là-bas. Il y aura aussi des journées qui seront organisées. La première, c'est la matinée, simplement, le samedi 28 janvier au matin, une journée de travail là-bas, sur place. Et vous aurez ensuite les journées du 11 février, 11 mars et 25 mars. Toute la journée, nous voulons nous mobiliser pour mettre les dernières touches à ce bâtiment au rez-de-chaussée et aux appartements aussi en haut. Voilà, notez ces dates, ce sera sans doute rappelé, mais pensez-y. Dernière chose ce matin, et peut-être qu'ils nous regardent aussi de très loin, mais YouTube est partout maintenant et Internet nous permet de rester en lien aussi les uns avec les autres. La Commission Sans Frontières nous invite ce matin particulièrement à prendre dans nos prières la famille Grandjean. Pierre, Lydie, les enfants, ils sont à Madagascar pour une mission et on a prié pour eux quand ils sont partis. Nous ne voulons pas les oublier et nous ne vous oublions pas. Nous prions pour vous, pour toute la famille. En tout cas, voilà, emportez-le dans vos prières cette semaine. Voilà, je vais vous inviter à vous lever. On va simplement chanter un dernier chant tous ensemble. Et j'avais à cœur de partager avec vous une parole aussi. Pour vous, gardez-la cette semaine et mettez-la dans votre cœur aussi. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de toutes celles qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Que ces paroles vous accompagnent tout au long de cette semaine et peut-être particulièrement dans le dernier Alléluia que nous allons pousser tous ensemble. Gloire à Dieu pour toujours. Bon dimanche. Messieurs et les mères, la vie, la lumière, nous
tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre. Chacun, bonne semaine.